Il est 3 h du matin. Je vais vous filmer les urgences de l'hôpital de Casablanca. Je suis française. J'arrive, je vois ça. Ça, c'est l'hôpital de Casablanca. Tu vas aller aux urgences. C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a rien du tout. Ils s'occupent pas de toi. Ils n'ont rien à foutre. Là, c'est les urgences. Tout ça, c'est les urgences. Bon, elle a décidé de faire le ménage. Je peux pas lui reprocher. Ça, c'est encore les urgences. On dirait qu'on est en prison. Elle est malade. Elle a une... Elle a une... J'ai dû couper parce qu'ils ne veulent pas qu'on filme, en fait. Tellement, c'est un truc de ouf. Là, c'est l'hôpital. Là, c'est le bureau du médecin. Là, c'est le bureau du médecin. Regardez l'hygiène. Et zéro hygiène. Les trucs pour soigner, ils sont déchirés. La fille, elle a une hémorragie cérébrale. Je vous mens pas, là. Ce que je vous dis, c'est réel. Elle a une hémorragie cérébrale. En France, tu la prends en charge directement. Elle est en train. 7 h du matin. Il est là depuis 7 h du matin. Le monsieur, il est là depuis 7 h du matin. Nous, on est arrivé depuis quelle heure? On est arrivé depuis quelle heure ici? Depuis 1 h du matin? Ouais. Depuis 1 h du matin, elle a une hémorragie cérébrale, elle est toujours pas prise en charge. Il est 4 h maintenant. Il est 4 h du matin. Je vous mens pas. Regardez, 4 h du matin, elle est toujours pas prise en charge. Hémorragie cérébrale. Lui, il est malade. Et ils ont pas voulu que je filme ça. Ils m'ont demandé d'arrêter de filmer. Mais je filme quand même. Regardez, hein. En France, ça existe pas. Il n'y a même pas de règles d'hygiène, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de papier, tu peux même pas t'essuyer les mains, tu sais même pas il y a quoi là-dedans. Les gens, ils sont en train de crever. Et si tu n'as pas d'argent, tu rentres pas à l'hôpital. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un pays comme le Maroc, on est au Maroc. Au Maroc, ils préfèrent construire des routes et construire d'autres choses que s'occuper des malades. C'est honteux.